Mbote, bienvenue sur ma chaîne. ACP Xukumon Abinopona Reseti Alelo, bienvenue. Alors, on va faire le poisson chat au Babengi na Lingala Malangwa. Et je vais vous montrer les épices que je vais utiliser. Je vais utiliser le piment, le poivron, citron, oignon, tomate, cube magique et l'oignon encore. Et dans ça, on a ail, je vais faire avec l'ail. Le ciboulette, nemui, oh non, ça est là, non, ça est la base de poulet, nanga, moukie, naone, nako, bakisa, nakatsi, la recette nabiso. Et voilà, là, je suis en train de laver le poisson, je l'avais déjà lavé, na sokola kiango déjà, mais je veux encore le laver, je veux encore le relaver. Alors, dans nos socolango, les sous malam malam, parce que il faut nacha citron nangai nakati. Alors, voilà, bah, citron nangai nakati qui nangai citron mobima selon quantité à poisson, selon la quantité de poisson que vous allez cuisiner, ça dépend. Alors, naobak nancha, non, pressé citron nangai, nazo fina citron nangai nakati. Je suis en train de presser le citron dans l'eau, hein. Je suis en train de mélanger avec le poisson pour le laisser pendant quelques minutes. Alors, on a mélangé en haut, on a maille pendant quelques minutes pour écouter et vendre la base et l'oignon sur l'eau. Voilà, na utisko ko tia citron nangai, c'est pour na 25 yango, na 26 yango pendant 15 minutes. Wana nde bozo mona poisson nangai ni 20 na mai, pour moni zo matisa mwa ba futa, ça fait monter un peu l'huile. Je l'avais laissé pendant 15 minutes. Alors, après 15 minutes, je reviens parce que je voulais le faire un peu rapidement. Nanga na salangu mwa bangu. Nasi ka 15 minutes. Wana suku na zo bimisa poisson nanga na zo bimisa ngo na kati ya mai o na tiaki poisson. Na zo bimisa poisson nanga o rinsa ngo su malam malam pour ezala zeite quoi. Là, je suis en train de faire sortir le poisson dans l'eau que j'avais mis le poisson. Je l'avais laissé pendant 15 minutes. Alors, je suis en train de le faire sortir dans le poisson. Je pense que c'est ça. Et voilà, j'avais déjà nettoyé encore le récipient que j'avais utilisé. Je l'ai encore nettoyé. Là, je suis en train de remettre le poisson dans mon récipient. Na sokola est déjà bassin dans l'ail avant. Na sokola qui a mon les sous-sous. Pour la zone, il y a un poisson dans la kati. Pour ma foute, il y a un loin qui a un poisson dans l'ail. Il y a un sokola qui a mon. Le moment où un poisson dans l'ail est comme une scope propre. Si vous avez passé la formule. Nous passons maintenant à la formule. Là maintenant, dans les huit ciboulettes, dans la tier, je viens de mettre ndembi dans tout ça, ndembi dans l'ail, et puis nati poivron, je viens de mettre le poivron. Je suis en train de passer à la formule. Je mets toutes les épices que je vous avais montrées à côté. Dans tout ça, les épices n'y ont sur on a l'accès, bien on a pémbeni. Il y a on a dans tout ça. Pour moi, on a dans tout ça ma tumulu nangaï, dans tout ça bleu nangaï on sort on a kataki déjà la pémbeni. Pour nous gagner temps, la kataki on déjà la pémbeni. On a dans tout ça les épices n'y ont sur au bonaki. Là, je suis en train de mettre toutes les épices que j'avais mis de côté, comme le ciboulette, l'oignon, la tomate. Le poivron, l'ail, toutes les épices que j'avais mis de côté. Là, je suis en train de le mettre dedans pour faire ma formule. Et voilà, je mets mes trois piments parce que selon la quantité, ça dépend de la quantité. Les autres dépendent de la quantité au yuzu sal. Là, pour la quantité, là, on a chaque trois. Là, chaque cube, là, je viens de mettre le cube magique. Et puis, je viens de mettre le poivron, comme vous l'avez mis. Les black pepper. Voilà, je viens de mettre mon black pepper. Le poivron noir. Et puis, dans une base de poulet, nanga na tie moukie parce que je ne voulais pas vraiment mettre beaucoup. Nanga kaitia moi pour moukie. J'ai pas mis beaucoup de base de poulet, j'ai juste mis un peu. Et là, je suis en train de mettre de l'ail.
Namixa qui en ont vraiment ma cacité. Là, je mets là Namixa qui en ont vraiment un petit peu parce que dernière étiquette la moins m'amuquée. Et là, na tienne nous 2 cuillères nangai ya huile. Je viens de mettre 2 cuillères d'huile. Na tienne 2 cuillères nangai ya huile quand de besoin dans la vidéo. Après, na ko balo la formule nangai. Voilà ce que vous avez besoin de la formule. Vous avez besoin de mélanger malamu pour les épices et kota. Alors là, je suis en train de mélanger et je suis en train de mélanger pour que les épices vraiment, hein, que ça rentre vraiment dedans dans le poisson et tout. Et j'ai ajouté un peu d'eau. Je vais mettre et voilà la zone. Alors pour la recette, soit on a dans ça et la papier aluminium nangai, nazu papier aluminium nangai, nazu faut vraiment un récipient, faut prendre un récipient un peu sous forme de cercle, comme ça vous pouvez mettre toute votre recette à l'intérieur. Au cha recette non na kati na sali moi rond nanga pour na cha recette nanga na kati wana sko na zo sukula makasa nanga. Je suis en train de laver le feuille, le vent c'est les feuilles de banane. Je suis en train de nettoyer le feuille des bananes. Je l'avais déjà nettoyé mais je les nettoie encore pour na sala na kote na chango sko na cercle nanga na kati ki papier aluminium nanga 4 fois ndé na tia ki na kati. J'avais coupé le papier aluminium 4 fois, j'ai mis 4 formes dedans. Maintenant là je vais mettre le feuille. J'ai utilisé 3 feuilles. Na sali 3 feuilles nanga pour na sala moi di bouloala na sali na kati. J'ai fait un cercle dedans pour mettre pour pouvoir mettre le poisson dedans. Donc na baloli sou poisson nangai na sali la ki 3 feuilles. J'ai utilisé 3 feuilles de banane. Alors là je vais encore tourner mon poisson. Dit que je l'avais encore laissé reposer pendant quelques minutes. Vous pouvez le faire reposer pendant 30 à 1 heure, c'est comme vous voulez, mais moi je l'avais fait reposer au moins pendant 30 minutes. Alors là je reviens, je veux commencer à mettre mon poisson. Si on a ici côté poisson nangai na kati ya feuille, ne besoin mon na tia, je viens de finir de mettre le poisson. Je mets tous les épices, voilà quand des bozomo na nyonso et koti piment na ngai nyonso déjà et après pour na kokanga liboke na nga. Alors mon poisson est prêt pour que je le ferme et que je le mette dans le four. Au sauce à makala ou bien le barbecue, vous pouvez le mettre, mais moi je peux pas, il fait froid dehors. Alors na obandasko kokanga poisson na ngai. Là, je suis en train de fermer les liboke. Dites-moi dans les commentaires si comment on appelle les liboke en français. En tout cas, je ne sais pas. Mais na okangasko liboke na ngai. Ni na banda ni banesko na bani parce na suki saki ni na zo kangasko un par un. Na osa l'attention que espace exalté. Donc, je suis en train de le fermer un par un pour qu'il n'aille pas de l'espace pour que je ne perde pas ma sauce. Non, quand on mord comme on peut, dès la banane qui n'est bandeli, non, quand on m'a l'aimé, non, ça vraiment le temps dans l'ail. Prenez votre temps parce que si vous ne fermez pas bien, la sauce risque de tout sortir. Alors, je prends mon temps. Alors, non, ça vraiment le temps dans l'ail. Après, dans le récipient dans l'ail, on en tient la four, la tient maille mouquier, dès la zone qu'on dépose, balibo qui n'a l'ail, ou on a qu'un acquis. Là, je suis en train de déposer les liboke. Pour Oyoka, l'odeur, vous allez sentir l'odeur que c'est vraiment cuit. Vous allez sentir l'odeur de la feuille quand vous allez le faire sortir dans le four. Vous allez sentir l'odeur. Oyoka solo na four qui m'a cassé zobé là. Obimisango. On a ce qu'au poisson na ngai, liboke na ngai, na outi kobimisango na feuille et na l'otan na kati. Et bimité, maïs, sopanité et de l'autre côté, nion, c'est ça qui est vraiment bien fait. L'ibokinanga est belli vraiment malade. Alors là, je suis en train de mettre le poisson sur l'assiette. Vraiment, mon poisson est vraiment bien cuit. J'avais mis juste quelques épices, comme vous avez vu, du début jusqu'à la fin. Donc là, je suis en train de faire sortir. Alors, mon repas est prêt pour manger.
Et voilà les résultats, les amis. Voilà les résultats de notre poisson. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et de partager. Écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez plus de recettes. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!